Donc, le travail que l'on va vous présenter aujourd'hui, l'atelier qu'on va vous présenter, c'est un atelier qui porte sur la prise en charge en ergothérapie pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc, l'atelier va se dérouler de la façon suivante. Donc, je vais faire une brève introduction. Ensuite, on va vous présenter le cœur de la présentation sur la prise en charge en pédiatrie et en adulte pour le Charcot-Marie-Tooth, ce qui va être présenté par Gilbert de Fontbrune et Denise Bernard. Ensuite, je vais prendre un petit 5 minutes pour vous présenter l'évaluation qui a été réalisée du projet qu'on a fait au cours des 3 dernières années. Et ensuite, je vais laisser la parole à la présentation pour présenter l'outil CMT-TED, c'est un outil d'évaluation des patients en pédiatrie. Donc, le travail qu'on va vous présenter, c'est un travail qui a duré vraiment de façon acharnée pendant 3 ans. C'est une communauté de pratique qui a été réalisée avec des membres du réseau MNMWiki Réada. Donc, qu'est-ce qu'une communauté de pratique? C'est une méthode qualitative qui vise à réunir des gens sur une base régulière et à réaliser des échanges avec un groupe de personnes. Donc, qui a été nos personnes à nous? Donc, premièrement, on a eu une dizaine de rencontres qui ont été par téléphone et visioconférence. La première a eu lieu il y a 3 ans, en mai 2012. Et la dernière s'est déroulée en septembre 2013. On a eu 8 visioconférences, un dîner amical lors du colloque de DMC en 2012 à Saguenay et une rencontre à la demande des participants en plein milieu de l'été, le 25 juillet. Donc, on a réussi à réunir nos 6 personnes les plus impliquées dans la communauté de pratique. Et on a eu évidemment un échange constant par courrier électronique et cet échange-là se poursuit encore aujourd'hui. On a également réalisé 8 entrevues individuelles en profondeur pour aller extraire l'expertise des intervenants qui sont experts au niveau de la pratique en ergothérapie pour le Charcot-Marie-Tooth. Une communauté de pratique aussi, ça vise à réunir des gens qui ont une problématique ou un intérêt commun. Donc, dans notre cas à nous, c'était les ergothérapeutes des cliniques des maladies neuromusculaires et ils ont choisi de travailler sur le Charcot-Marie-Tooth, donc c'était leur décision à eux. Enfin, une communauté de pratique, ça vise aussi à développer les connaissances en travaillant ensemble. Alors, qu'est-ce que nous, on a produit? Comment on a procédé? Toutes les rencontres, toutes les entrevues ont été annotées. On a extrait l'information qui était pertinente. On a fait une validation dans la littérature scientifique. On a validé aussi avec les pairs et par des experts externes également. Donc, les connaissances qui vont vous être présentées par Gilbert et Denise, c'est un travail de groupe. C'est un travail fait avec les experts et ça a également été validé. Et on a fait aussi une évaluation que je vais vous présenter rapidement à la fin. Et aujourd'hui, on est rendu à la partie la plus intéressante, la diffusion. Donc, je veux prendre quelques minutes pour remercier les personnes qui ont été impliquées dans le projet parce que c'est sans eux, on n'aurait pas produit le travail à lequel on est arrivé. C'est vraiment très important. Donc, au Centre de réadaptation Marie-Enfant, Denise Bernard, Chantal Tassé, Catherine Desautels et Valérie Savard ont été les 4 ergothérapeutes impliqués. Et Denise est ici aujourd'hui pour présenter la portion pédiatrique. Au Centre de réadaptation Le Parcours, Éric Gagnon et Suzy Potvin. Ensuite, au Centre de réadaptation, Lucie Bruno, Gilbert de Fontbrune et Denise Milot. Gilbert va vous présenter la portion adulte. Et finalement, à l'IRDPQ, au niveau pédiatrique, Marianne Lyonnais. Malheureusement, on n'a eu personne au niveau adulte à l'IRDPQ. Au niveau de la validation externe, on a eu évidemment Cynthia Gagnon, qui est toujours notre grand maître dans cette portion. Et on a eu le bonheur d'avoir 3 neurologues qui ont accepté de valider le travail qui a été réalisé. Donc, le docteur Rami Massy, docteur Jean Mathieu et docteur Jacques Puméran. Donc, on va passer maintenant à la présentation. Donc, je demanderai, c'est Denise et Gilbert qui vont vous faire la présentation. Denise Bernard est ergothérapeute depuis 1977. Elle est diplômée de l'Université de Montréal. Elle est clinicienne au Centre de réadaptation Marie-Enfant à Sainte-Justine depuis 1984. Elle a fait une pratique en milieu scolaire aux écoles Victor Doré et Joseph Charbonneau, d'abord au sein des programmes de déficit moteur cérébraux, puis aux maladies neuromusculaires depuis 1989. Donc, quand on parle d'un expert, ça ressemble à ça. Madame Bernard est également généraliste depuis toujours. Elle travaille ponctuellement sur plusieurs comités, comme à la RAMQ pour l'évaluation des triporteurs et quadriporteurs, des batteries d'évaluation en écriture ou encore la recherche sur le bras motorisé, Jaco. Donc, elle vous fera la présentation pour la partie pédiatrique.
et Gilbert de Fonbrune, qui était ergothérapeute à Lucie Bruneau, est détenteur d'un baccalauréat en éducation physique de l'Université de Montréal et d'un bac en ergothérapie de l'Université McGill. Il est ergothérapeute clinicien à Lucie Bruneau depuis 2008 et depuis 3 ans auprès de la clientèle neuromusculaire ou ayant une maladie neurologique évolutive. Donc, je vais céder la parole à Denise pour la première partie. Bien, bonjour tout le monde. Alors, ce matin, je vais tenter à peu près en 20 minutes de vous convaincre d'aller naviguer sur la plateforme WikiMNM. Je pense que c'est un bon outil pour nous aider en ergothérapie. Alors, que vous soyez des thérapeutes qui allez voir 1 ou 2 ou 3 cas seulement, ce sera, je pense, utile. Et même pour nous qui sommes au programme de maladies neuromusculaires, je dirais qu'il faut faire bien attention de ne pas tomber dans le panneau. De dire, ah, oh, tiens, un petit cas qui nous arrive, c'est un CMT. Bon, non, c'est pas parce que c'est un CMT qu'il faut avoir une moins investir. Souvent, bon, effectivement, apparemment, ils sont moins hypothéqués, disons, mais il faut faire bien attention parce que souvent, c'est pour nos cas de dystrophie musculaire, d'amyotrophie spinale, on investit beaucoup, c'est les équipements, les visites dans l'école, etc. Et on oublie des fois nos petits neuropathes qui peuvent, disons, on va dire, souffrir en silence. Au fil des ans, ben moi, je m'étais dit, je voudrais peut-être travailler un petit peu plus sur les CMT. Il y avait des choses qui m'avaient particulièrement frappée. C'était souvent le tableau clinique du parent accompagnateur. Alors, on le voit avec des aides techniques, on le voit sans travail, on le voit avec des maux de dos. Alors, on se dit, ben est-ce qu'on devrait peut-être pas investir un petit peu plus tôt? La variabilité des manifestations aussi, que ce soit à l'intérieur d'une même famille, c'est pas parce que le parent a un tableau clinique X que le jeune l'aura. Alors, il faut faire attention des fois à l'influence que ça peut avoir. Manifestations variables aussi chez 2 enfants du même âge avec la même atteinte et on va avoir un tableau clinique complètement différent. Il y a tout le côté aussi des pénalités à l'école, dans les loisirs, pas seulement en termes de pointage, de score, mais aussi d'être intégré, d'être choisi dans les équipes sportives. Ça peut être un gros deuil, comme un deuil aussi dans toutes les activités parascolaires et particulièrement dans l'orientation professionnelle. Il y a l'isolement qui est vécu et l'effort vraiment démesuré de cette clientèle-là pour arriver à un résultat X. Donc, je pense que comme ergothérapeute, il faut vraiment d'abord expliquer notre rôle, même si dans l'équipe, on n'est pas toujours le premier intervenant, parce que souvent, c'est la physiothérapie, la psychiatrie qui est interpellée. Il faut quand même tout de suite dire qu'on est là, sensibiliser à la symptomatologie, que les parents puissent peut-être remarquer certaines petites choses et comprendre que ça fait partie de la maladie. Évaluer précocement. Avec notre aide expert, bien, des fois, on peut dire, tiens, ça y est, c'est une manifestation. On va intervenir un petit peu plus vite, que ce soit par des conseils, de la thérapie ou autre. Et bien sûr, suivre l'évolution de la condition, même si on ne voit pas tout le temps le jeune, bien, s'informer auprès des autres, comment ça va au point de vue médical, toi en physio, toi ailleurs, à l'école, qu'est-ce qui se passe. Un petit rappel vite, là, pour vous rappeler que c'est bien... C'est la neuropathie sensitivo-motrice, finalement, c'est une atteinte du motoneurone, donc on aura soit une atteinte directement de l'axone ou de la gaine de myéline, et il y aura des formes différentes, évidemment. Transmission dominante versus récessive, ça peut être très important, parce que quand on a affaire à un jeune dont le parent est atteint, la relation entre les deux peut venir jouer beaucoup dans notre tableau, dans nos interventions, puis aussi, évidemment, sur le counseling génétique. On retrouve souvent des douleurs neurogènes, je reviendrai un petit peu, mais ça aussi, ce sont des jeunes qui ne vont pas nécessairement nous le dire. Curieusement, ce n'est pas très scientifique, mais on remarque une incidence plus élevée de troubles d'apprentissage chez les jeunes qui ont des neuropathies. Toutes les disparités au niveau du moment d'apparition des symptômes, la gravité des symptômes et l'évolution aussi de cette symptomatologie-là. Et on remarque souvent des scolioses chez nos jeunes qui grandissent, chez nos jeunes adultes. Bon, si moi quelqu'un me disait, c'est quoi un charcot-marie-tooth,
Très rapidement, je me suis posé la question. J'ai dit, pour moi, il y a trois caractéristiques plus physiques qui en font un portrait et une personnalité. Alors, première caractéristique, faiblesse distale. Faiblesse distale qui est d'abord, évidemment, aux pieds avant les mains. C'est pour ça qu'on parlait plus de physiothérapie au départ. Et puis, moi, évidemment, aujourd'hui, je ne parlerai pas de pieds, de déplacement, de tronc, scoliose, mais il reste que la faiblesse distale, elle est là aussi au membre supérieur. La diminution de sensibilité de proprioception. D'ailleurs, je vais revenir plus tard sur ces deux points. Et diminution de l'endurance et de la fatigue. Ces jeunes-là, souvent, à cause de ça, vont éviter des activités. Ils vont dire « Ah, oh, mon Dieu, ah oh, non, c'est bébé Fafa, je ne veux pas faire ça » ou « C'est niaiseux, j'aime mieux rester chez nous, je vais lire dans ma chambre », etc. Ou simplement une non-disponibilité pour les parents. « Viens nous aider à faire à manger, fais ton lit. »« Ah oh, non, j'ai pas le temps, je le fais pas. » Vont modifier l'activité, la façon de le faire, vont se trouver des stratégies. Mais tout ça, ça occasionne vraiment des malaises pas nécessairement juste aux mains, mais des fois, ça peut se traduire par des maux de tête, des inconforts, ça peut même aller jusqu'à des burn-out. Alors, ce sont quand même, tout ça, ces caractéristiques, dans un corps de battant. De battant parce que ce sont des jeunes, puis ça, je pense, c'est très important, qui, au départ, n'ont pas une symptomatologie qui est très apparente, à part les pieds, des fois les mains qui vont avoir tendance à mettre dans leur poche, sont des jeunes qui veulent être comme les autres, vraiment, vraiment comme les autres. Donc, souvent, vont refuser les aides techniques, particulièrement bon, les orthèses, les chevières, évidemment. Des aides techniques toutes banales, comme des petites adaptations de crayons ou des petites mesures alternatives, par exemple, d'avoir plus de temps, d'aller faire l'examen ailleurs ou qu'on les surveille dans les escaliers, ils vont vraiment pas beaucoup aimer ça. Et puis, même dans l'activité, il faut les surveiller parce qu'ils sont portés à se mettre à risque de chute, de blessure, dans des modules de jeu, en courant, donc, je reviens un petit peu sur la faiblesse musculaire en distal. Juste un petit rappel, les muscles, particulièrement les muscles impliqués dans la force de préhension grossière et la musculature intrinsèque des mains. Donc, comme conséquence sur les mains et les doigts, c'est qu'on va remarquer beaucoup, surtout une difficulté de position du pouce au doigt, plus marquée fonctionnellement dans la pince tridigitale, qui nous permet de faire plein de mouvements à l'intérieur de la main, de manipuler des objets usuels. On va souvent voir justement une main qui est très plate et même à la limite des mains en griffe, un peu comme nos quads. Alors, difficulté dans les manipulations fines. On a parfois la possibilité au repos ou à l'action de petits tremblements. Évidemment, tout ça, l'effort amène toutes sortes d'inconforts, de douleurs, de crampes. Si on regarde un petit peu les photos, on peut remarquer par exemple que l'enfant ici qui colle des petites pièces de papier va utiliser plus la paume de la main plutôt que le bout des doigts va se stabiliser sur le rebord de la table. Le ciseau, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la main est beaucoup plus aplatie. Donc, on a même une petite déviation cubitale, va vraiment rentrer proximalement le ciseau. Une pression exagérée aussi du pouce sur le papier. Tout ça avec un lien au niveau de la sensibilité, parce que tout ça, c'est un tout. Hein. C'est comme il y a une atteinte sensibilité proprioception, mais il y a avec la faiblesse qui donne une difficulté. Alors, quand on parle sensibilité tactile, les objets qui sont difficiles à sentir, à identifier, à tenir, souvent, c'est on dit qu'ils sont maladroits, mais aussi ils échappent souvent les objets, manipulés, bien en parler. Température, alors faire attention, température de l'eau, dehors, dans le froid, lumitaine, pas lumitaine. Douleur aussi, être vigilant, des petites égratignures, des petites écorchures, c'est des jeunes avec les outils scolaires dans certains laboratoires à l'école, il faut faire attention, il ne faudrait pas que ça s'infecte. Des difficultés au niveau de la vibration, je parle d'engourdissement d'origine neuropathique, mais ça peut être aussi des petites sensations de brûlure, ça peut être des picotements, ça se traduit différemment, ils ont des inconforts. Donc, la vision est un sens qui compense beaucoup. On le remarque particulièrement dans les escaliers ou quand ils ont des choses à manipuler. C'est très important, la vision. J'ai un petit vidéo. On dit une photo vaut mille mots, alors que vaut un petit vidéo. Où est-ce qu'on a demandé, finalement, on a fait faire des petites manipulations à une jeune de 16 ans qui avait Charcot-Marie. Et parallèlement, on a demandé à Christine, ici présente, de faire les mêmes manipulations. Alors, je pense que vous allez bien comprendre qu'est-ce que au niveau
fonctionnelle. Alors, c'est une zone qui n'est pas super atteinte, mais c'est beaucoup dans la vitesse ou dans le rendement. Ça, c'était l'opposition. Là, ici, là, toute la précision, tout ce que ça lui a pris comme temps pour prendre le petit objet par rapport à Christine. Ensuite, je demande d'y aller avec, en opposant le pouce au, à l'auriculaire. Alors là, là, ça devient très difficile. Vous voyez aussi, on voit tout au niveau de la musculature, l'affaissement. Ce sont des mains dont les arches ne sont pas bien formées. Une main plate. Au niveau des muscles aussi intrinsèques, là, on demandait de faire une abduction des doigts. C'est vraiment, vraiment pas possible quand on a une petite résistance d'un élastique. Ici, c'est dans le test, le Functional Dexterity Test, où est-ce qu'on doit retourner avec la main face dorsale vers le haut. Alors là, on a justement l'implication de notre main prédigitale pour les manipulations. Alors, si vous remarquez à gauche, Christine, la vitesse à laquelle ça va, et regardez la main de la jeune, c'est vraiment, vraiment pénible. Et aussi, elle sert beaucoup de la vision, on ne le voit pas. Là. On n'a pas le son, mais je vais lui demander après ça de le faire de la façon pour elle qui est la plus rapide, et vous allez voir la différence. Ah, voyez-vous? Alors donc, elle se sert automatiquement de la supination pour que ce soit plus facile. Excellent. Merci. Au niveau du graphisme, eh bien, ils vont en général avoir une préhension très serrée sur le crayon avec une pince pouce en crochet sur le crayon, pour essayer de mieux se stabiliser et aussi de mieux sentir. Là, on voit tout de suite la différence. C'est surtout dans la vitesse. Vous allez décapsuler la petite éprouvette en retirer les tout petits objets. Le son à vous. Prendre un par un dans une même main. Là, on les prend un par un. On va les emprisonner dans votre main. Et maintenant, on va les redéposer un par un en les ramenant au bout des doigts, c'est-à-dire entre l'index et le pouce, pour les déposer dans le petit couvercle bleu. Vous voyez tout l'effort, comment c'est quasiment non fonctionnel. Continuez. Dès que vous sentez quelque chose, vous me le dites. Ici, c'était plus au niveau tactile. Ils ont les yeux bandés, donc pour savoir à quel moment donné, ils vont sentir le... Il y a eu beaucoup de mouvements parce que, évidemment, Christine le sentait tout de suite quand je l'ai déposé dans sa main, alors qu'elle a dû vraiment là, faire des mouvements puis même entendre le bruit du petit gobelet. Alors voilà, ça explique un petit peu. Donc, évidemment, jusqu'à présent, ben, comme on l'a dit avant, on avait peu de données probantes, pas de recherches scientifiques, surtout pas en ergo. En ergo, il n'y a rien à peu près. Le novice, ben, s'y perd. Alors imaginez, l'ergothérapeute, un peu plus, on n'a pas de temps tellement non plus pour faire des recherches pour se mettre à jour. Alors on avait pensé développer l'outil qu'on dit qui était pour supporter nos partenaires en CLSC, en CRDP, à l'école, peu importe. Ça peut être un outil intéressant pour les nouvelles ergos et pour nous, évidemment. Alors, dans la plateforme Wiki MNMC, on y retrouve la description du rôle de l'ergo, aussi avec une liste des ergos en MNM. Alors, si vous avez, comme on dit, à communiquer, ça peut être intéressant de parler directement ou d'aller carrément sur le site. Et toute la prise en charge en ergothérapie. Donc, il y a une partie qui est « à savoir ». Le « à savoir » va traiter davantage de la condition plus médicale, donc neurophysiologie, les différents types de CMT, ce à quoi on peut s'attendre, mais de façon médicale. Les éléments caractéristiques, c'est vraiment toutes sortes d'exemples de tous les symptômes, toutes les manifestations de maladie. Comment se préparer à la rencontre? Alors, depuis l'anamnèse aux discussions, aller lire les rapports de nos collègues, etc., prendre des informations dans le milieu. Et, évidemment, les éléments qui vont nous aider à mieux intervenir. Alors, ce qu'on a pensé, c'est, les éléments, quand est-ce qu'on va intervenir? Oui, on aurait pu dire, on va intervenir à tel âge, mais on a pensé plutôt se baser sur des étapes qui
qui correspondent à des passages à l'école et des étapes qui sont un peu confrontantes par rapport à la performance avec des manifestations de CMT par rapport aux exigences de l'école et aussi dans les habitudes de vie. Alors, on a ciblé le préscolaire, où est-ce qu'on est plus dans l'exploration, dans la socialisation. L'élémentaire, le premier cycle, où est-ce que là, oups, on se structure, on est assis à un pupitre, on a des directives, mais on est quand même dans un mode apprentissage. Les deuxièmes et troisièmes cycles de l'élémentaire, donc à partir de troisième année, on peut avoir d'autres difficultés parce que là, on s'en va vraiment plus en termes de productivité. Et le secondaire, où est-ce qu'on est dans la recherche d'autonomie, la gagne, etc. Et c'est vraiment plus indépendance. Alors, les éléments de surveillance, bien, il y a toute la période de dépistage. Alors, dans le site, on va aller voir, ça va nous donner toutes sortes d'éléments qui peuvent se manifester à tel moment, telle étape charnière. Et ensuite, il y a l'évaluation et discussion. Discussion, bien sûr, toujours avec le jeune, mais aussi avec les gens qui travaillent auprès, que ce soit en garderie, que ce soit à l'école, avec les autres les collègues. Et ce qu'on sait beaucoup, c'est les habitudes de vie. Habitudes de vie au total. Les manipulations fines, l'écriture, l'environnement scolaire et de façon plus, disons, plus de base de tests avec mesure, bien, la force, la coordination, la sensibilité, proprioception. Évidemment, on va beaucoup le faire avec des mises en situation, ça va être très important parce que nos CMT, ils sont du genre à dire que tout va bien, ils sont capables. Alors, c'est quand on les met au fait, là, dans l'activité, qu'on peut mieux voir. Les interventions, ben, on a beaucoup de visites dans le milieu, souvent avec nos collègues, souvent collègues physiothérapeutes. On peut avoir des thérapies, particulièrement chez les plus jeunes, pour en préscolaire, les préalables scolaires, des entraînements divers, que ce soit à l'ordinateur, à la manipulation d'aides techniques. Alors, des aides techniques comme telles, des orthèses, des bagues, des mesures adaptatives et les références à d'autres disciplines aussi. Alors ici, j'ai un exemple d'un jeune garçon, là, juste pour montrer un peu comment on peut utiliser la plateforme. Alors, on l'a appelé Anthony à 11 ans, c'est un CMT2, il fréquente l'école régulière en 6e année. Ce qu'on a finalement été cherché comme description de la part des parents, c'est que c'est un enfant qui est maladroit. Donc, il tombe, il fait des dégâts, il utilise mal les ustensiles. Et la température de l'eau, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans la salle de bain, un petit peu dangereux. Il ne veut pas aller jouer avec les amis, il n'aime pas les sports, il ne veut pas aller dans des sorties familiales. Et aussi, ils ont remarqué des baisses des résultats scolaires et puis des petits tremblements à l'occasion. Les intervenants scolaires, eux, ils ont noté que, oups, mon Dieu, ça chute les notes au niveau de l'écriture, particulièrement en éducation physique, puis il y avait de la misère à suivre le rythme des autres pour l'écriture. Il est malhabile avec la règle, écartable avec les objets en général, il est de plus en plus penché sur son pupitre. Il est très lent pour s'habiller et pour le lunch. Ben, le lunch, pas pour s'alimenter, mais avec tous les contenants, les ouvertures de peau. Il ne participe plus aux journées pédagogiques, il ne veut pas. Et puis, il arrive de plus en plus souvent en retard à l'école. Donc, si on va sur le site de Mme Wiki et qu'on va dans la période de dépistage pour un enfant de 9-12 ans, donc au deuxième cycle de l'élémentaire, ça va nous donner des pistes, justement, à savoir qu'est-ce qui est important. On dit l'élément principal de surveillance à ce moment-là, c'est l'écriture. Alors, l'écriture qui est beaucoup liée aux problèmes de sensibilité et de force. Il faut surveiller s'il n'y a pas des douleurs, des crampes, une fatigue exagérée. On répète aussi, on le voit, il le dit, à partir de la troisième année du primaire, c'est beaucoup plus exigeant. Là, on peut avoir s'attendre à une baisse des résultats scolaires. On dit de vraiment surveiller la proprioception parce que ça pourrait avoir des incidences aussi quand on est dans la douche, quand on se lave les cheveux, les yeux fermés, par exemple, quand on descend les escaliers la nuit.
Tout ça pour dire que, entre parenthèses, parce qu'en ce moment, il y a une partie qui n'est pas encore vraiment bien sortie sur le site, peut-être pas complète encore, mais il y a tous les outils. Parce que vous allez trouver aussi, si vous voulez évaluer tel ou tel aspect, quel outil vous est proposé. Alors, on mentionne de ne pas oublier de bien évaluer la coordination, la sensibilité, la force. Ce sont des outils qu'on utilise, qui sont standardisés ou non. Puis là, je fais mes... dans la prochaine demi-heure, un petit peu plus tard, de toute façon, vous allez en entendre parler, parce que parallèlement, le site Wiki M&M, c'est quelque chose de très, très clinique, très concret. Alors, c'est la vie de tous les jours. Mais à Marie-Enfant, on a commencé à s'attarder sur le protocole de Burns, dont Sylvie vous parlera plus tard, où est-ce que là, on va quand même évaluer de façon très standardisée cette clientèle-là par rapport à une clientèle de CMT, donner un profil d'évolution. Donc, Anthony, toujours sur la plateforme, on nous dit « Faites attention à cet âge-là, l'habillage, là, les attaches, mettre les orthèses, attacher les souliers, l'alimentation, commence souvent à cuisiner, à utiliser le micro-ondes, la cuisinière, se servir, l'ouverture des contenants, etc. » Alors, la propreté en mangeant, c'est tous des points à regarder, les soins personnels, les transferts, la température de l'eau, se laver les cheveux, se sécher les pieds, des points à regarder. Il y a aussi une section qui est plus dédiée aux loisirs et au sport, qui va donner aussi d'autres indices. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir des petites valises ou une petite batterie où est-ce qu'on a tout proche de nous des objets qu'on peut utiliser et pour faire justement nos mises en situation, super important. Alors, les mises en situation avec des objets usuels, mais aussi des fois, on apporte des petits trucs adaptés parce qu'ils peuvent repartir tout de suite avec des conseils. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus au niveau de l'alimentation et des soins personnels, mais c'est intéressant d'avoir ça. Alors, l'écriture, on va s'y attarder davantage, donc, de la prise du crayon, les douleurs qu'on peut y retrouver, la position assise, la calligraphie, la propreté, en tout cas, ça vous donne un bon, de bons indices de choses à bien aller regarder. Et portez aussi attention aux troubles d'apprentissage, parce que ça arrive quand même assez souvent, donc il faut rester vigilant de ce côté-là. Anthony, bon, c'est un jeune qui, lui, contrairement aux autres qui ont souvent une préhension très, très serrée du crayon avec le pouce en crochet, lui est tellement faible, il a une main plutôt en griffe, donc il va prendre son crayon entre l'index et le majeur, d'où le fait que l'écriture, elle n'est pas foncée. D'habitude, on voit une écriture, c'est extrêmement foncé, il pèse sur le crayon. Lui, ce n'était pas le cas. Par contre, on voit que la calligraphie, ici c'est un peu pâle, mais la calligraphie, elle est pas très bonne, elle n'est pas rapide, difficulté à suivre la ligne, à former les lettres, etc. Donc, durant l'évaluation, on apporte toujours aussi toutes sortes de petits gadgets. Oui, les zéros, on est comme ça. Alors, que ce soit au niveau des évisoires, de l'efface, des crayons, pour contrer autant que possible le malaise, au niveau proprioceptif, au niveau sensibilité. Alors ici aussi, on avait à un moment donné une stagiaire, bien fun, qui nous a monté une très belle, batterie avec plein de choses. Ici, on a des règles adaptées, les cartables, alors c'est très, très utile. Toujours bien regarder l'environnement scolaire, les déplacements, le sac d'école, les transports, etc. Sensibilité. Alors, on répète ici, demander des questions comme l'histoire des mitaines, est-ce qu'il échappe des objets, est-ce que tu as besoin de regarder, est-ce qu'il serre trop fort, est-ce qu'il a besoin d'objets texturés, est-ce qu'il est sensible aux blessures. Et les interventions en référence. Alors, ça vous donne un listing de toutes sortes de choses qu'on peut proposer à un enfant de cette période charnière-là. Alors, ça va de petits trucs de crayons jusqu'à l'ordinateur, en passant par des trucs pour la maison. Alors, ce qu'on a fait pour Anthony, il a été évalué. Il y a eu aussi une visite à l'école avec le physiothérapeute. Alors, après ça, finalement, sur les constats qu'on a fait, ce qu'on lui a recommandé, c'est un pouce mine 2.7, surtout pour éviter d'aiguiser les crayons, un étui à glissière qui facilite, une règle à poignée, parce que manipuler une règle ordinaire, oubliez ça. Une efface maïbite parce qu'elle se prend mieux. Elle se prend mieux avec la paume de la main, des couvertures, des photocopies de notes, une notion des exigences de calligraphie.
Jouant, mais aussi tout de suite une introduction au portable. Il était comme temps parce que l'écriture, c'est beaucoup trop exigeant, c'est long, c'est épuisant. Et aussi pour la satisfaction personnelle, de voir l'écriture comme ça, c'est pour l'estime de soi, c'est pas très bien. On porte une attention particulière au positionnement assis. On sait que l'attitude asymétrique, on voudrait prévenir des scolioses. Transport familial, alors. Comme il arrivait toujours en retard à l'école et qu'il ne veut pas de transport adapté, les parents ont décidé de lui conduire. Programme d'éducation physique adapté, avec des orthèses que peut-être il portera des fois. Possibilité de passer la récréation à l'intérieur pour ne pas être confronté à la performance des autres et aussi au sol des fois avec toutes sortes d'inégalités. À la maison, le temps passe très vite, mais plein de petites choses. À la maison, on peut se permettre de proposer des choses parce que ça paraît moins. Ils ne voudront pas apporter un couteau à l'école, mais peut-être qu'à la maison, ils vont s'en servir. Alors, toutes sortes de petites choses. Et aussi, on lui a parlé du défi sportif pour pouvoir l'intégrer, avoir une meilleure participation sociale. L'apprentissage de la gestion de l'énergie, important. Et à part, ce n'est pas encore gagné, mais une référence en psycho, je pense qu'il faut les supporter. C'est des jeunes qui souvent... on va dire, souffre en silence. Donc, les orthèses de fonction, ce sera discuté, ce serait quelque chose qui pourrait être une avenue éventuellement. Donc, tout au long de notre suivi, se tenir informé de l'évolution du jeune, même si on ne voit pas tout le temps auprès de nos collègues, faire appel à nos collègues aux besoins, échanger avec les personnes du milieu, et ceci, probablement le plus important des quatre, respecter le jeune et la famille dans l'acceptation de l'appropriation de la maladie. C'est très important. Si on veut qu'on soit des partenaires, il faut les respecter. Et aller sur la plateforme MNM Wiki. Je pense que vous savez pourquoi on en a parlé. Et juste avant le passage au secteur adulte, ben des fois, on dit « Oh, ça va. C'est lent, l'évolution de la maladie, mais il faut très bien les sensibiliser, je dirais même quasiment tous les inscrire au secteur adulte, parce que tôt ou tard, à un moment donné, ça va être soit l'évolution de la maladie ou les nouvelles activités de la vie adulte qui vont faire en sorte que ça crée des nouveaux besoins auxquels l'ergothérapeute va avoir à répondre. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, puis je passe la parole à mon collègue du secteur adulte, à Gilbert. Merci. Merci Denise. Alors, petite anecdote, moi il y a 3 ans, mon arrivée à la clinique M&M de Lucie-Brunion, ça coïncidait avec le colloque à quelques jours près. Puis c'est là qu'Annie Plourde, avec tout le dynamisme et l'enthousiasme qu'on y connaît, m'a annoncé que j'étais un expert en charcot marteau. Alors je lui ai répondu, charcot marteau quoi? Alors pour moi ça a été une formation continue là, depuis 3 ans, puis je crois que cet outil-là va être très utile là, à tous les ergothérapeutes, là, puis aussi aux gens du réseau, là, qui, aux intervenants du réseau qui voudraient référer en ergothérapie. Alors, à Lucie-Brunion, ce qu'on voit, bon, c'est que quand la personne est transférée là, à l'adulte, les besoins en ergo, bon, ne sont pas nécessairement criants là, dès le départ. Alors, on va intervenir souvent avec un décalage peut-être de 2-3 ans suite au transfert. Alors, on travaille beaucoup sur des besoins là, précis et ponctuels. Et malheureusement, souvent un peu dans l'urgence. Hein, souvent, on doit éteindre des feux parce que la personne n'a peut-être pas prévu là, des changements dans l'évolution de sa maladie, mais aussi dans ses habitudes de vie. Alors, les motifs de référence sont très variés. On doit considérer, comme Denise l'a dit, l'évolution de la maladie. C'est vrai que c'est une maladie à évolution lente, mais pour certaines personnes, ça peut être quand même assez rapide là, sur un laps de temps là, plutôt court. Et aussi, c'est qu'on doit considérer notre rôle comme ergothérapeute. C'est que moi, je vois ça comme une prise en charge partagée. Alors, on travaille beaucoup avec... moi, je travaille beaucoup avec mes collègues ergo qui sont spécialisés dans des champs comme la conduite auto, la réadaptation au travail, ça pourrait être aux aides technologiques. Et souvent aussi, c'est avec les gens du CLSC, mais ça, j'en parlerai plus tard. C'est plus avec les diagnostics tardifs. Là, on a aussi une clientèle, là, Charcot-Marteau, qui peut être diagnostiquée là, beaucoup plus tard, là, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine.
Alors, on parle d'étapes charnières. Hein, Denise en a parlé là, au niveau de l'enfance et de l'adolescence. Pour la vie adulte, ben, on a considéré la conduite auto. Souvent, la référence en conduite auto est faite directement de mari à enfant. Sauf qu'il peut y avoir un délai encore là, sur la prise en charge là, pour la conduite auto. Les études supérieures, les stages, alors que ce soit au cégep à l'université, il y a des changements, là, on doit voir à ce que la personne puisse faire ses études. Le travail rémunéré, hein, Denise parlait que c'est des gens qui sont fonctionnels, qui ont quand même des bonnes capacités. Alors, c'est des battants, ils poussent beaucoup, mais ça, avec les limitations, il faut voir à ce que la personne puisse faire ses activités. Il y a tout l'aspect de la vie autonome, quitter le nid familial, vivre en appartement, etc., auquel on s'adresse. Alors, les motifs de référence, la sécurité à la salle de bain, je pense que ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont un dossier fermé au CLSC et ils peuvent avoir là, des besoins là, urgents là, au niveau de la sécurité. Alors, on essaie de voir à ces besoins-là et on interpelle nos collègues du CLSC aussi pour intervenir si jamais on n'est pas en mesure de répondre aux besoins. Alors, toute l'autonomie aux AVD, notamment la préparation de repas, un type de vie souvent qui est prise en charge par les parents et on doit voir à ce que la personne puisse faire ses activités. L'écriture manuscrite, l'accès à l'ordinateur, on peut être appelé à faire une évaluation fonctionnelle, notamment pour une subvention gouvernementale là, pour un ordinateur portable, ça m'est arrivé d'en faire plusieurs. Il y a tout l'aspect des techniques à la mobilité, à la posture. Mes collègues du programme des aides techniques là, voient, mais moi je les vois en pré-évaluation pour faire la référence. La conduite auto, qui est très importante, mais aussi de façon globale avec la maladie, l'importance de la gestion d'énergie. Je ne voulais pas accorder beaucoup de temps à cette notion-là. Je pense que les ergos, on est bien outillés pour voir à ça. Moi, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que, bon, cette notion là, de personnalité de battant, Denise en a parlé, c'est que souvent, ils sont appelés là, à outrepasser leurs limites puis à faire des efforts démesurés pour arriver à un résultat. Alors, c'est de travailler en amont puis de voir à ce que la personne soit consciente là, des différentes habitudes de vie nouvelles là, qu'elle aura à faire face là, dans les années à venir, notamment la vie autonome, être à l'université, travailler à temps plein, l'impact que ça aura là, sur leur quotidien, dans leurs heures vécues, dans leurs heures aidées, dans leurs loisirs. Alors, j'ai deux cas à vous présenter. Le premier cas d'Émilie, que j'ai surnommé la battante. Alors, c'est une... enfant qui avait été diagnostiqué Charcot-Marie-Tooth à l'âge de 2 ans. Alors, elle a été transférée là, de Marie-Enfant à l'âge de 18 ans à Lucie Bruno. À ce moment-là, elle était étudiante au cégep. Elle vivait avec ses parents. Et, bon, elle avait comme la caractéristique là, de ne pas aimer les aides techniques. Denise a parlé de l'image de soi. Alors, elle n'aimait pas trop ça. Puis aussi, disons que je pense qu'à 18 ans, elle a fait son lot de thérapie là, dans son adolescence, alors elle était peut-être aussi peu ouverte à l'idée là, de faire de l'ergothérapie ou de la thérapie en général. Alors, ses symptômes à Émilie, c'est qu'il y avait des atteintes distales au membre inférieur, là, quand même beaucoup plus importantes qu'au membre supérieur. Elle avait les pieds tombants, problèmes de mise en charge, des contractures, déficit sensoriel. Le stépage, moi, je connaissais pas le stépage là, quand j'ai commencé à la clinique M&M, là, mais c'est ce patron de marche là, où la personne va vraiment taper le pied, le sol. Alors, c'est très caractéristique de la maladie. Et au niveau des membres supérieurs, elle était quand même assez fonctionnelle, malgré là, la diminution de la force et de la dextérité. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée là, de à quoi ressemble un pied là, d'une personne atteinte de Charcot-Marie-Tooth. Alors, on a les orteils en marteau, le pied creux. Et évidemment, avec ça, il y a une atrophie là, au niveau des jambes. Alors, son évolution fonctionnelle à Émilie, c'est que, initialement, à Lucie Bruno, il y avait les consultations avec la physiatre. Et c'était très centré là, sur la locomotion. Alors, elle avait des difficultés accrues à la marche, elle avait des chutes plus fréquentes. Mais aussi, il y avait une diminution au niveau de la force,
niveau des mains, de la dextérité. Puis quand moi je l'ai réévalué, là, il y a maintenant 2 ans et demi, contrairement, ben, comparativement à ses résultats d'évaluation là, à l'âge de 17-18 ans, il y avait quand même une diminution importante au niveau de la force de préhension et des pinces. Je pense qu'elle avait 40-45% là, par rapport à la moyenne de son groupe d'âge là, à 18 ans. Elle était rendue à 15% là, une fois maintenant, là, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Par contre, elle n'avait pas beaucoup de plaintes au niveau là, de l'aspect fonctionnel dans ses activités. Notamment à l'écriture, ça allait bien. Alors, la chronologie des interventions pour Émilie, c'est qu'initialement, elle a été référée à, en réadaptation au travail pour une évaluation des capacités de travail parce qu'elle avait des difficultés à se maintenir en emploi là, à temps partiel. Elle avait des travails, là, elle travaillait surtout comme caissière à temps partiel en même temps que ses études. Et son parcours en réadaptation au travail, bien, ça a été une entrevue parce que le lendemain de son entrevue là, en ergo, bien, elle s'est trouvé un emploi. Alors, ça finit là. Et s'est trouvé un nouvel emploi et par la suite, bon, elle a dû être évaluée pour la conduite auto pour un premier permis de conduite. Elle a réussi. Et ensuite, pendant quelques années, c'était vraiment des interventions en physio par rapport à la marche, les orthèses, le bon type d'orthèse, les consultations en physiatrie. Et quand moi j'ai été interpellé il y a 2 ans et demi, bon, c'était par rapport à l'utilisation du fauteuil roulant qu'elle trouvait difficile à propulser. Alors, on a vu à ce qu'elle puisse avoir accès à un fauteuil manuel léger. Et ensuite de ça, venait son intérêt de déménager, de quitter le nid familial. Et l'interrogation à savoir est-ce qu'elle pourrait être fonctionnelle en appartement. Alors, son idée, c'était de déménager avec son copain. Et comme ça, du jour au lendemain, elle nous apprend que le déménagement était fait. Et bon, on avait certaines appréhensions, mais elle, avec sa personnalité, puis elle ne voyait pas vraiment trop de problèmes. Et il faut dire qu'aujourd'hui, là, ça va bien. Puis en fait, c'est elle qui avait raison. Par contre, on lui a fortement suggéré là, d'ouvrir un dossier au CLSC pour qu'elle puisse voir à certains équipements qu'elle pourrait avoir besoin. Et présentement, dans une démarche d'adaptation de véhicule pour pouvoir être autonome, rentrer le fauteuil roulant, là, avec une aide motorisée et même chose pour son déambulateur. Et alors, son bilan de participation sociale aujourd'hui, c'est que bon, ça fait 2 ans et demi qu'elle travaille à temps plein, 35 heures. Et d'ailleurs, sa note de congé de mari-enfant faisait état là, de capacité intellectuelle là, prometteuse d'un avenir professionnel là, intéressant. Et c'est le cas. Elle travaille dans son champ d'expertise, un travail sédentaire. Et quand il y a des tâches qui sont physique, là, un petit peu plus exigeante, bien, elle demande de l'aide et elle l'obtient. Ce qui a été un défi pour elle, c'est quand elle a été relocalisée là, dans le même emploi, mais dans un autre site. Elle avait maintenant là, 50 mètres à franchir à pied avec son déambulateur. Bien, là, elle avait de la difficulté à rentrer le déambulateur. Alors, avant qu'elle obtienne là, l'adaptation de véhicule, on a dû voir à ce qu'elle puisse être fonctionnelle de ce côté-là. Alors, elle vit de façon autonome avec son copain. Son copain l'aide pour les tâches lourdes. On a fait l'essai de plusieurs aides techniques, notamment les tabourets assis debout, des aides techniques pour la préparation de repas. Alors, elle a fait l'essai de ces aides techniques-là à domicile. Il n'y a pas grand-chose qu'elle a retenu. Elle a vraiment peut-être juste étudié la desserte. Mais sinon, elle trouvait que de façon normale, elle était capable de faire les activités de façon plus fonctionnelle qu'avec les aides techniques. Et aujourd'hui, bon, je pense que l'avenir là, fait en sorte qu'elle va pouvoir avoir une meilleure participation dans ses loisirs, compte tenu qu'elle ne sera pas dépendante de sa famille ou de son copain pour ses allées et venues en voiture, elle a son propre véhicule, elle va avoir accès à une aide motorisée pour le fauteuil roulant et l'ambulateur. Comme ça, elle aura beaucoup plus d'autonomie. Maintenant, je vais vous présenter le cas de Cédric, un garçon très sportif qui pratique le rugby en fauteuil roulant à un haut niveau. Alors, c'est un CMT de type indéterminé. Un long suivi à sa mari-enfant dès l'âge de 3 ans. Et à Lucie Bruno en ergo, là, en fait, il a commencé à Lucie Bruno à 21 ans. Alors, suite au transfert, il n'y a pas eu d'intervention.
Alors, ça prend un certain décalage, même avant qu'ils voient des spécialistes, là, des médecins spécialistes à Lucie Bruno. Alors, il avait déjà son cégep complété, il vivait au domicile familial, en région, et il avait tout l'équipement nécessaire au domicile, son dossier au CLSC était fermé. Alors, Cédric, c'est un cas vraiment peut-être atypique de CMT, beaucoup plus lourd en termes d'atteinte. Il y a des atteintes distales là, très sévères au membre supérieur, comme vous pourrez le voir là, dans des petites vidéos que j'ai à vous présenter. Des pertes sensitives là, plus importantes au membre inférieur. Il a perdu la marche à l'âge de 12 ans. Aucun mouvement volontaire au membre inférieur. Et c'est ça, faiblesse, atrophie, déformation distale importante au membre supérieur. Alors, les vidéos sont très courtes, alors je vous suggère de ne pas trop cligner des yeux. Alors, dans la première vidéo, vous allez pouvoir voir les limitations au niveau des amplitudes. Et on voit bien l'atrophie là, à l'éminence ténarienne et l'atrophie aux avant-bras. Alors, position. Numéro 4, numéro 3. Je suis capable de bouger. OK. On peut voir. Ouais, oui. Je suis capable de bouger. Je peux regarder chez les bras. Si j'ai vu, par contre, c'est sûr que je suis capable de. C'est ça. Mais je suis pas capable de. C'est ça. Et la position, pouce, doigt, c'est pas possible. Alors, vous voyez une belle comparaison par rapport à la jeune femme de tantôt. Ça va mieux. Voilà. Retourner ton bras. OK. Et puis ton poignet. OK. C'est ça. Alors, on va parler sur la rotation du coude que je fais ici. Mm-hmm. C'est quoi le. Je ne sais pas comment ça peut être ça. Donc, aucun poignet. Juste un peu, mais c'est mieux. Quand on parlait de main en griffe, vous avez un très bel exemple. En test standardisé, vous donnez. Aperçu. La main droite est plus fonctionnelle que la gauche. Vous allez voir comment il peut se débrouiller là, pour une préhension grossière. Maintenant, en dextérité fine, à titre de comparaison, moi je voulais le réévaluer parce que Marie-Enfant, je crois que c'était à l'âge de 15 ans, il avait fait le test, là, il avait pu le faire avec la main droite. Ce test-là a été effectué l'année dernière et j'ai dû modifier le protocole là, parce qu'avec le protocole régulier, il ne pouvait pas prendre là, les petits bâtonnets. Alors j'ai mis les chevillettes là, sur un apron antidérapant pour qu'il puisse faire la tâche. Ça va beaucoup servir de son petit doigt. On va venir prendre avec la pompe. On va coincer le petit objet entre le petit doigt et la pompe. Vous voyez bien quand il retire les chevillettes. Okay. Maintenant, à la cuisine, des tâches fonctionnelles. Pour ceux et celles là, qui ont peut-être l'habitude d'intervenir auprès là, de la clientèle blessée médulaire, bien, comme Denise disait tantôt, là, ça, il fait vraiment le portrait aussi là, d'un jeune homme là, qui aurait une tétraplégie là, avec des limitations aux mains.
Le comptoir chez toi, il est pas loin? Du frigo? Non, le comptoir, il est juste à côté. OK. La manipulation de l'objet, la dextérité, c'est difficile. Par contre, Cédric, lui, il peut compenser. Il a des bonnes épaules. La force aux épaules là, est à 4+, ce qui peut l'aider là, à compenser là, pour beaucoup d'activités. Maintenant, pour s'alimenter, jusqu'à l'année dernière, il utilisait encore des ustensiles réguliers. Deux prochaines vidéos vont vous montrer comment il peut se débrouiller avec les mains qu'il a. Pour couper les aliments. Crème ou des patates cuites. Si je vais prendre des trucs comme ça. OK. Je vais venir appuyer avec mon main. Les interventions qu'on a fait pour l'alimentation, disons que ça ne faisait pas partie de ses plaintes initiales. C'est vraiment à force là, de l'interviewer et de lui poser des questions que finalement il s'est ouvert à l'idée d'utiliser des aides techniques, tant pour s'alimenter là, que pour la préparation de repas. Alors initialement, Cédric lui a été référé en ergo par Dr. Bray pour un problème là, de compression de nerfs là, avec son fauteuil de sport. Alors on a modifié sa ceinture là, pour que. Il n'y a plus de compression là, sur le nerf. C'est un jeune homme qui est autonome au transfert, autonome aux soins d'hygiène avec les aides techniques. Sa copine l'aide là, pour les AVD là, qui sont trop difficiles à faire là, compte tenu là, des difficultés aux mains. Et il y a un problème de surutilisation des épaules, notamment pour son sport, mais aussi dans ses déplacements. C'est un jeune homme là, que, au début de l'adolescence, utilisait un quadriporteur, mais après quelques années d'utilisation, il a décidé là, de le redonner. Alors, il y a peut-être un. Par rapport à l'image de soi, il y a encore aujourd'hui, c'est pas une aide motorisée au déplacement, c'est pas quelque chose là, qu'il envisage. Mais on travaille là-dessus. On essaie là, de lui faire refléter là, que ses épaules, à l'âge de 40 ans, aujourd'hui il a 24 ans, ses épaules sont dans quel état à 40 ans, bien, on essaie de travailler là-dessus. Alors, c'est ça, il a changé son fauteuil manuel pour un modèle là, qui lui permettait un meilleur positionnement, là, un fauteuil là, du type là, que vous avez vu tantôt. C'est ça que je disais tantôt, on a fait un bon dépistage des besoins là, de vos AVQ, vos AVD. Et en ce moment, il est en train de faire ses démarches pour un premier permis de conduire, bien qu'il y avait la référence de Marie-Enfant là, à l'âge de 18 ans, là, ça lui a pris 6 ans là, avant vraiment là, de mettre ça à son agenda pour que ça devienne une priorité. Puis, malgré là, les difficultés aux mains, il y a un très bon potentiel d'apprentissage. Et avec les adaptations là, nécessaires, normalement, il devrait passer là, son permis de conduire là, avec brio là, dans les prochains mois. Cédric, aujourd'hui, bon, il s'investit pleinement dans son sport. Il vient à l'appartement. Le défi, c'est qu'il veut retourner à l'université. Et au moment de l'évaluation, une habitude de vie qu'il n'a pas voulu qu'on évalue, qu'on,
c'est l'écriture manuscrite. Alors ça, il n'était pas prêt, là, je ne sais pas si c'était trop confrontant. Évidemment, il va avoir besoin peut-être là, d'être technologique là, pour pouvoir être fonctionnel à l'université, compte tenu que l'écriture manuscrite, là, ça sera très difficile. Alors, je viens de présenter deux cas qui sont bon, des transferts de mari enfant, mais on voit aussi une clientèle qui est diagnostiquée là, tardivement, qui sont asymptomatiques à l'enfance, à l'adolescence, et qui vont avoir des premiers symptômes, soit dans la vingtaine, dans la trentaine, voire là, dans la cinquantaine. J'ai même un homme présentement, il est rendu à 68 ans. Les premiers symptômes ont apparu, là, je pense que c'était il avait 60 ans. Alors, c'est des gens qui ont toujours eu des vies là, très actives et du jour au lendemain, là, voient leur capacité diminuer. Alors souvent, un diagnostic là, qui est incertain, qui va aller là, d'un Charcot-Marie-Tooth à une polyneuropathie démyélisante chronique. Alors, il y a de l'incertitude par rapport à ça. Les gens doivent s'adapter à la condition. Il y a un deuil à faire et notre rôle, évidemment, c'est de voir à ce que la personne ne soit pas en situation de handicap. Et c'est là, je pense, que le rôle là, de l'ergothérapeute CLSC là, est très important parce que bon, il peut avoir des adaptations de domicile à faire, puis la condition peut changer quand même assez rapidement. Alors, sur le site Wiki MNN, ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que vous avez toutes les étapes charnières. Alors, vous pouvez vous référer au site, puis, par exemple, si vous voulez avoir là, de l'information sur la conservation d'énergie, bien, Annie, elle a mis des liens là, directs. Vous avez juste à cliquer, puis ça va vous amener vers une autre section. Et c'est bien départagé entre les différentes étapes charnières. Et il y a des données probantes sur le site. Il n'y en a pas beaucoup hein, en maladie neuromusculaire. Ce qui est intéressant, c'est au moins si vous voulez avoir accès à des données probantes, vous pouvez les avoir sur le site. Mais encore, les données probantes, souvent, ils ne parlent aucunement des interventions. Alors, c'est ça la force du wiki MNM, c'est de pouvoir avoir accès à des aux meilleures pratiques. Et il y a le forum de discussion, je pense, qui est un outil là, à bien développer et à utiliser pour que les échanges là, entre les ergots du réseau et ceux en clinique surspécialisée se fassent là, de façon conviviale et pratique. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps là, aussi, là, considérant nos tâches régulières. Okay? Alors voilà. Merci beaucoup de votre attention. Alors, j'aimerais remercier Denise et Gilbert pour leur participation aujourd'hui. C'est une belle occasion de pouvoir présenter le travail qu'ils ont fait au cours des trois dernières années. Étant donné le temps qui passe, je ne présenterai pas la partie évaluation, mais s'il y en a qui seraient intéressés, je vous invite à venir me voir là, durant les pauses ou alors des repas durant les deux jours pour que je puisse vous en parler, le résultat que ça a donné. Mais globalement, je peux au moins vous dire que globalement, la comparaison entre ceux qui ont utilisé la documentation Wiki par rapport à la conventionnelle, le résultat était positif pour le Wiki, donc le travail n'était pas vain. Donc, je voudrais vous donner l'opportunité de poser des questions à Denise et Gilbert si vous en avez. Cette présentation. J'avais une question au niveau du rôle de l'ergothérapeute au niveau scolaire. Vous avez parlé beaucoup, Denise, des barrières au niveau de l'environnement physique. Je me demandais au niveau social, les attitudes des professeurs, des élèves, des fois l'intimidation malheureusement qui est très présente. Comment est-ce que vous voyez ça un petit peu? Ben d'abord, souvent on va aller dans les à l'école pour voir comment ça se passe à l'école même, c'est que la plupart des jeunes ne veulent pas non plus le mentionner aux autres amis. Donc, je pense qu'il faut le respecter aussi. Et puis, comme je disais, on va souvent faire appel à nos collègues du psychosocial pour supporter le jeune. L'intimidation, je sais pas, moi personnellement, j'ai pas vraiment eu d'expérience à ce niveau-là. Malheureusement, les jeunes sont portés peut-être à s'isoler un peu trop souvent, ou contrairement à foncer et à être dans la gang. Mais
J'avoue que je n'ai pas d'expérience hyper concrète à te donner au niveau de cette intimidation. Mais en général, ils sont tellement débattants qu'ils réussissent quand même à bien s'intégrer. Surprenamment. Je n'ai pas une réponse super satisfaisante. Je ne suis pas contente. Non, mais c'est pas moi. Je pensais justement juste à un cas cette semaine, une jeune fille avec arthrogrypose qui est dans un milieu scolaire normal, donc elle fonctionne très, très bien. Mais les parents rapportaient que l'enseignante était très renfermée, qui disait même à la mère « Pourquoi vous ne la mettez pas dans une école spéciale ?» Donc cette attitude très négative, la petite fille a juste besoin un petit peu d'aide additionnelle pour mettre son manteau, sa veste, ses chaussures, mais c'est un environnement très… Ben de là justement l'importance d'aller à l'école, de faire la visite et puis de sensibiliser tous les intervenants. Que ce soit à la garderie, à l'école. Je pense qu'une fois qu'ils ont bien compris, ils sont en mesure de quand même d'assez bien gérer la chose pour intégrer les jeunes, pour qu'ils soient quand même heureux à l'école. Oui, merci. On y va longtemps. Puis j'avais juste une autre question. Au niveau de la transition, Marie-Enfant à Lucie Bruno, est-ce que tous les cas sont référés? Est-ce que c'est les cas les plus sévères? Comment est-ce que vous voyez cette transition-là? Je travaille à l'hôpital Shriners, puis on essaie de mettre à jour justement notre transition vers Constance Lethbridge ou d'autres centres. Donc j'étais juste un petit peu curieuse à ce niveau-là. Moi, je pense que la plupart des cas sont transférés et peut-être les coordonnatrices pourraient en parler plus. Ou du moins sont transférés. Il y a quand même un suivi, on ne les laisse pas comme ça, ils vont avoir un suivi en physiatrie ou en neuro. Donc, je pense que ce serait extrêmement rare les cas qui vont quitter, qui n'auront pas, qu'on ne s'assure pas que quelqu'un va pouvoir au moins aller déceler des problèmes et puis interpeller d'autres intervenants. Parce que tôt ou tard, ils vont en avoir des problématiques. Moi, je pense que c'est bien de les inscrire à un programme adulte. Je peux répondre pour Cédric, que j'ai bien connu. À 18 ans, je l'ai transféré, j'ai fait signer tous les papiers, mais lui, il n'a jamais retourné les papiers signés. En fait, je n'ai pas pu lui faire signer et je ne l'ai jamais retourné. J'ai informé sa mère de toutes les démarches. Je lui ai envoyé une lettre. Il n'a jamais réagi. À un moment donné, il m'a rappelé. Puis là, il m'a dit « J'ai mal à l'épaule. » Je lui ai dit « Ben, je t'avais déjà expliqué, je te le réexplique. » Alors, il a fait sa demande à Lucie Bruno. Je suis très contente aujourd'hui de voir que les services, puis où il est rendu maintenant. Et quand on est à l'adulte, c'est que des fois, ils n'ont pas de grands besoins physiques. C'est que le problème, un peu, c'est pourquoi j'irais là. Ils ne veulent pas avoir besoin d'un centre de réadaptation. Fait que, oui, c'est normal qu'il y ait 2-3 ans avant qu'ils consultent. L'important, on leur donne l'information, on fait tout. On essaie de vraiment trouver, d'identifier des besoins qui sont concrets pour eux pour qu'ils puissent aller consulter à l'adulte, mais c'est la réalité. Pour respecter leur cheminement. C'est comme je disais tantôt, en fait, on les sensibilise, on va aussi les référer, mais en quelque part, on ne peut pas ne pas respecter l'appropriation de leur maladie, leur propre. Donc, ça va avec eux ce qu'ils vont décider, c'est certain. C'est des jeunes quand même autonomes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est faut aller à leur rythme. Puis, ce qui peut être, par contre, un petit peu énervant là, pour l'intervenant, c'est justement quand il appelle, ben là, c'est urgent. Et là, il faut répondre rapidement. Alors que t'en as peut-être couru après là, pendant quelques années. Puis, effectivement, il y avait peut-être peu d'intérêt. Ouais. Juste pour compléter sur ça, quand on avait fait les entrevues avec les intervenants en ergothérapie, je me rappelle, Diane Milo avait dit, j'avais posé la question pourquoi ils demandent des besoins, puis elle a dit, bien, ils sont toujours, c'est toujours trop tard quand ils viennent nous voir. Donc, c'est une des choses qu'elle nous avait dit. Donc, on va mettre fin à la première partie de la présentation. Je voudrais juste vous mentionner une chose. Sur le site Internet, on a développé des super de belles pages pour le Charcot-Marie-Tout, mais ce n'est pas le seul élément qui est ressorti du travail des 3 dernières années. On a un petit dépliant ici qui a été produit par Dystrophie Musculaire Canada, basé sur les informations qui sont extraites du travail de nos ergothérapeutes. Le dépliant se nomme « Les maladies de Charcot-Marie-Tout, quand référées en ergothérapie ». Et ce dépliant-là s'adresse à tout le monde, aux ergos, travailleurs sociaux, infirmiers, professeurs, enseignants, parents, oncles, tantes, cousins, enfants, les personnes atteintes, évidemment, ça s'adresse à
tout le monde. L'objectif, c'est de le distribuer parce que justement, comme ce sont des battants, souvent eux-mêmes vont refuser de voir les symptômes ou encore parce que les symptômes sont très variables, même dans une même famille. Souvent, les gens vont avoir tendance à pas nécessairement revoir le bien-être que l'ergothérapie pourrait apporter dans leur diagnostic. Alors, les ergots nous ont dit qu'il faudrait qu'on puisse informer les gens à savoir quand il est temps de venir nous voir. Alors voilà, maintenant, il y a un dépliant qui existe pour ça. Donc, on en a plusieurs copies ici. Merci à Dystrophie musculaire Canada de nous avoir permis de le rendre papier et disponible. Il y en a une cinquantaine de copies en anglais pour le moment, puis 200, je pense, en français, parce qu'il est sorti tout frais des impressions hier. Donc, il va y en avoir d'autres là, qui vont être produits éventuellement, mais je vous invite à repartir avec quelques dépliants dans vos milieux. Merci.